28e journée de l'Euroleague. Vitoria face à une obligation de victoire ce soir contre l'Alba, le dernier, pour eh bien, être bien placé et rester bien placé au contact du play-in autour de la 8e place. Et pourquoi pas aller espérer faire une super fin de saison, aller chercher le play-off. Ça commence par un gros oubli. Miller McIntyre qui distribue déjà. Direction Mike Potsar. Le voilà à nouveau, Cody Miller McIntyre. Ça fait deux pas décisifs pour Cody Miller McIntyre. Déjà trois pas décisifs pour Cody Miller McIntyre. Le relais et le gros dunk qui va finir dedans. Ça aurait pu être écrasé pour le poster, ça va être un petit peu moins spectaculaire. Mais il a quand même pris cher au passage. Luis Olindi sur Mike Kotsar là. Marcus Howard, il se fait contrer violemment par les 2m21 de Khalifa Koumadjé. Écran de Kotsar. Miller McIntyre qui trouve encore une fois une passe ligne de fond. C'est toujours Thanas Selekarskis qui se retrouve esselé. 6 points pour Thanas Selekarskis et 4e pas décisif pour Cody Miller McIntyre déjà. Je vous le dis, s'il choisit, il peut encore ce soir faire une performance incroyable. Cody Miller McIntyre. Ah, ils ne sont pas compris. Avec Marcus Howard, la relance de l'Alba. Avec la possibilité. Seul à 3 points, bien joué. Miller McIntyre derrière Kotsar, Miller McIntyre, le décalage pour une nouvelle passe décisive. C'est enfoncé, on retrouve Costello, Cody Miller McIntyre, la main gauche claquée par Koumadjé, qui dit bye bye. Jordan Théodore, Simon Moneke, Sander Ayesté et Matt Costello sur le parquet pour les Basques. Chima Moneke, premier ballon, premier point pour l'ancien Monégasque, l'ancien Orléanais. Cinquième balle perdue de Vitoria. Ouais, piqué dans les mains la contre-attaque à 3 contre 2 avec Chima Moneke qui n'a pas besoin de déployer plus que ça. Son athléticité, ça c'est pas mal, la passe entre les jambes direction Yanni Wenzel. On recherche le pivot. Allons, ressorti finalement et le tir à 3 points. Dedans. Ah, il y a même 32-14. Vous voyez, j'en ai oublié. Chima Moneke à droite, à gauche, à droite. Et surtout dans le cercle pour battre Khalifa Koumadjé. Ligne de fond pour Chima Moneke. Miller McIntyre. Miller McIntyre retire à 6 mètres. 7 points, 6 passes pour Cody Miller McIntyre sur la route à minima d'un double-double. Luis Olindi. On insiste évidemment sur l'intérieur, ça permet de bien ressortir. Belle passe. Giga Samar. Attention, ouais, ce ballon a été perdu. Il reste 5 secondes. Cody Miller McIntyre pour Chima Moneke juste avant la fin de cette première mi-temps. Et voilà, nouveau Victoria avec 10 points d'avance. Ouais, beau franchissement pour aller trouver Yanni Wenzel. Lama Thomas est facilement passé. C'est rendu aussi de manière facile par Vanya Marinkovic. Solindi. Et à nouveau Yanni Wenzel pour le poster sur Mac Kotsar. Victoria, écoutez-moi ça. 11 points pour Chima Moneke. 9 pour Thanas Selekarskis. 9 pour Cody Miller McIntyre. 8 pour Mike Kotsar. 7 pour Nicolas.
en l'air pour Khalifa Koumadjé. Le service parfait de Martin Hermansson. Bien McIntyre. Oh, il a mangé la passe décisive là. Matt Costello. Marcus Howard. Rien, toujours Fanny. 0-5 à 3 points pour Marcus Howard. La relance pour l'Alba. Et on va nulle part. On ne va nulle part. Cody Miller McIntyre. Pour Tima Moneke. L'extra passe de Tima Moneke. L'attente. Et cette fois-ci, en passant dessous, Matt Costello l'avait travaillé tout à l'heure. Et le conclut. Bon service et le claquage de cercle. Gagné Matt Costello. Le contre derrière. Ça y est, Matt Costello, il est dans son match. Et Cody Miller McIntyre qui obtient son double-double. 11 points pour Cody Miller McIntyre. Et vont me rajouter 10 passes. Et Victoria qui, comme depuis le début, va s'atteler à gérer son avantage. Cody Miller McIntyre, 14 points et 10 passes. Qui vient d'encaisser un 8-0 hein, pour se retrouver bien largué. Meké. Allez, Marcus Howard, il n'a rien mis pour l'instant, le voilà! Le premier panier de Marcus Howard pour passer à plus 20, et oui! C'est le panier, Cody Miller McIntyre cette fois-ci. Commet une nouvelle perte de balles et on va aller avec tranquillement Luis Olindi au cercle. En faveur Victoria avec Costello, ressorti. Tima Moneke, ça va rester un petit peu court. Allez, où? Ah, c'est bien joué, ça c'est beau. Hermansson pour Sterling Brown. Ah, lui, il peut continuer de shooter même quand le match sera terminé. Ça le démange à Marcus Howard. Deuxième tir à 3 points de la partie, 6 points pour lui. Un peu aussi. Pour l'Alba. Avec un pied qui fait plaisir dans la fin de partie. 83 points de moyenne pour les Basques dans cette Euroleague. Ils en ont remis 88 ce soir. 88 face au 71 de l'Alba. Ce match est terminé. Victoire très très logique. Et en suspense pour Victoria qui s'impose facilement face à l'Alba Berlin ce soir.